capitaine Anderson. Par ici, les voilà. Du calme. Tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il? Nous vivons une période de transition, capitaine. Le combat contre Sovereign a tout changé. Et nous devons parler de ce qui est arrivé au Conseil. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sovereign. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les flottes de la Citadelle ont été décimées pendant l'attaque. Leurs pertes ont renforcé l'Alliance. Si nous prenons l'initiative maintenant, personne ne pourra nous arrêter. Ce n'était pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir. Nous devons travailler à la reconstruction avec les autres races. Voilà de belles paroles, mais vos actes ne trompent pas. Je vous observe depuis que vous avez été nommé Spectre, Shepard. Vous êtes impitoyable. Le sacrifice du Conseil a assuré notre victoire sur Sovereign. La fin justifiait les moyens. Les humains peuvent le comprendre. C'est ce qui nous donne l'ascendant sur les autres races. Qu'est-ce que vous dites? La galaxie a besoin d'une autorité forte. Si une crise survient, nous ne pouvons pas nous permettre de tergiverser comme le faisait l'ancien Conseil. Le nouveau Conseil doit régner d'une seule voix. Il doit être constitué d'une seule espèce, l'humanité. Les autres espèces ne vont pas courber les chines simplement parce qu'on le leur demande. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous. Votre traque acharnée de Saren et des guettes, votre insubordination au Conseil, voilà ce dont les humains sont capables. C'est comme ça que nous avons vaincu Sovereign. Les autres nous suivront, Shepard. Ils savent que nous sommes leur seul espoir. Nous aurons un Conseil humain et un président humain. L'ambassadeur a raison. Que ça me plaise ou non, on ne peut pas nier l'évidence. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire, quelqu'un comme le capitaine Anderson. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous pouvez parler politique autant que vous voulez, mais les moissonneurs sont toujours là, ils arrivent, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Et aucune autre espèce dans la galaxie ne mesure réellement les sacrifices à consentir pour assurer la survie de tous. Les autres races devront nous suivre. Nous allons prendre les commandes. Le moment est venu pour l'humanité de prendre son destin en main.